Une caméra d'un seul pixel, d'un seul capteur de lumière, ça peut vous paraître absurde, et pourtant... Bah oui, on peut se demander pourquoi s'embêter à faire une caméra d'un seul pixel alors qu'on sait faire des caméras haute résolution, des caméras 4K avec plusieurs millions de pixels. Et en plus, ces caméras, on les connaît bien. Par exemple, un appareil photo numérique, en noir et blanc, peut être décrit comme étant composé d'une grille de capteurs, où chaque capteur reçoit une certaine quantité de lumière qui est traduite en signal électrique, puis en pixel. Plus le capteur reçoit de lumière, plus le pixel sera blanc. On est donc capable, à partir d'une grille de capteurs, d'obtenir une grille de pixels en niveau de gris, qu'on appelle généralement plutôt une image ou une photo. Mais donc, si on a un seul capteur, on fait que des images d'un seul pixel? Pas vraiment. Regardez. Avec votre téléphone, vous êtes capable de faire des photos panorama en déplaçant votre téléphone. Et à la fin, votre photo panorama contient plus de pixels que le nombre de capteurs que contient votre appareil. Et bien pour notre caméra d'un seul capteur, on va procéder un peu de la même façon. On va faire au cours du temps plusieurs acquisitions avec notre unique capteur qui vont à la fin nous permettre de reconstruire notre image composée de beaucoup plus de pixels. Mais en effet, on peut se demander pourquoi faire ça avec un seul capteur? De nos jours, on sait faire des caméras haute résolution, et même ça coûte pas trop cher à produire. Alors pourquoi on s'embête avec un seul capteur? Eh bien déjà, il faut voir que là, on parle de capteurs de lumière, qui permettent donc de reconstruire des photos. Mais la méthode que je vous présente aujourd'hui, elle fonctionne quelle que soit la grandeur physique que l'on cherche à mesurer, quel que soit le type d'image que l'on souhaite reconstruire. Et des capteurs d'une seule valeur, en fait, vous en connaissez tous. Par exemple, quand vous utilisez un thermomètre, vous ne mesurez qu'une seule température à la fois. Vous n'avez pas accès directement à toute une carte de chaleur. Pareil avec une balance. On ne mesure qu'un seul poids à la fois. Et si on veut avoir soit une carte de pression, soit être capable de retrouver un centre de gravité, on va être obligé d'utiliser plusieurs balances. Et même moi, en fait, dans le cadre de ma thèse, j'utilise la technique que je vais vous présenter aujourd'hui afin de reconstruire des images IRM. Où là, cette fois-ci, le capteur est un capteur magnétique. Et si on veut se rapprocher du cas d'une caméra d'un seul capteur, on peut penser à des capteurs infrarouges, des capteurs ultraviolets, voire des capteurs encore plus originaux. Oui? Pour moi, vous êtes sûr? Ok, j'arrive. La fillette et sa fantastique invention. Il était une fois, dans le royaume des vivants, deux jeunes enfants, qui aimaient jouer ensemble, souvent. Ils aimaient notamment jouer à des jeux d'énigmes, et avaient même développé leur propre code secret, que eux seuls étaient capables de comprendre. Ils étaient, comme on peut le dire, inséparables. Inséparables, vraiment? En tout cas, c'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Après la mort du jeune garçon, la petite commença à se morfondre, et était, jour après jour, de plus en plus triste. Mais un matin, elle crut reconnaître un message codé dans les ombres qui traversaient sa fenêtre. Le message ne pouvait venir que de son ami. Elle en était persuadée. Elle le décoda. C'était bien lui. Il avait réussi à communiquer avec le monde des vivants. Ils continuèrent leurs échanges de nombreuses années. Il lui apprit, au travers de ses messages, à perfectionner leur système de communication. La fille, très débrouillarde, construisit alors un dispositif, un unique capteur, dans une caisse en bois, faisant le lien entre les morts
et le monde des vivants. Elle continua sa vie, en échangeant régulièrement avec son ami. Leur complicité s'était même renforcée. Elle garda secret son invention toute sa vie, jusqu'à ce que la vieillesse lui permette de rejoindre son ami de toujours, pour de bon. Aujourd'hui, nul ne sait si le capteur est une relique dont nous avons perdu la trace, ou si tout ceci n'est qu'une légende. Ridicule. Reprenons notre caméra d'un seul capteur. Afin d'obtenir une image qui ne soit pas composée d'un seul pixel, eh bien, comme pour un panorama, on va faire évoluer, au cours du temps, l'image, la lumière qui rentre dans notre capteur. Pour faire ça, plusieurs possibilités. On pourrait, comme on le fait pour le panorama, déplacer notre capteur au cours du temps. On pourrait aussi inversement déplacer l'objet que l'on essaye d'observer devant le capteur. Une autre solution serait de faire évoluer la lumière que l'on projette sur l'objet. Mais la solution que l'on va garder pour la suite est encore différente, puisqu'il s'agit d'une solution qui fait intervenir des miroirs et des lentilles. Et on va utiliser ce système optique et mécanique afin de choisir quels sont les rayons lumineux qui vont pénétrer dans notre capteur. Regardez ce schéma. On a cette fois-ci un système composé de deux lentilles et d'une grille de miroir. Sur cette grille de miroir, chaque petit miroir correspond en fait à un pixel de l'image que l'on souhaite reconstituer. Et chaque miroir a deux positions possibles. Soit il est dirigé vers la gauche, dans ce cas-là, le rayon lumineux qui arrive sur le miroir est redirigé pour arriver dans notre capteur de lumière, soit le miroir est dirigé vers la droite, et dans ce cas, le rayon lumineux n'arrive pas sur le capteur de lumière. La première lentille agit un peu comme un objectif sur un appareil photo traditionnel. Elle permet de faire en sorte que la lumière qui arrive dessus soit redirigée correctement vers les miroirs. La deuxième lentille, quant à elle, permet de faire en sorte que tous les rayons lumineux qui ont été redirigés vers la gauche arrivent tous sur le capteur de lumière. Donc par exemple, si on a tous les miroirs qui sont orientés vers la droite, sauf le troisième miroir qui serait orienté vers la gauche, eh bien notre capteur de lumière ne reçoit que le rayon lumineux qui était destiné au troisième miroir. Et donc on connaît directement le niveau de gris du troisième pixel. Et donc si on répète ça avec tous les miroirs, les uns après les autres, cela nous permet de reconstruire l'image pixel par pixel, les uns après les autres. Mais bon, pour vous donner une idée, une image 256 pixels par 256 pixels, donc une résolution pas ouf, ça vous donne 65 536 pixels. Donc autant vous dire qu'avec cette technique, ça risque de prendre du temps. Quitte à avoir un système de miroir plutôt qu'une grille de capteur, on va quand même essayer d'en tirer parti, non ? On va pas se limiter à ne tourner qu'un seul miroir vers la gauche à la fois.
Et qu'est-ce qui se passe si on tourne plusieurs miroirs vers la gauche? Regardez ici. On a les miroirs 2, 3 et 5 qui sont tournés vers la gauche, tous les autres étant tournés vers la droite. Ça veut dire que le capteur ne reçoit que les rayons lumineux qui arrivent sur les miroirs 2, 3 et 5. La quantité de lumière qui arrive sur le capteur correspond donc à la somme des quantités de lumière qui étaient destinées aux pixels 2, 3 et 5. On obtient donc une addition du type pixel 2 plus pixel 3 plus pixel 5 égale une certaine valeur qu'on a mesurée. Disons par exemple 15. On répète ça pour d'autres configurations des miroirs, c'est-à-dire d'autres combinaisons de pixels, et à la fin on obtient toute une liste d'additions. Donc pour reconstruire notre image, on n'a plus qu'à résoudre ce système d'équations. Utilise pas le mot équation, hein. T'es sur YouTube, c'est la meilleure façon de faire fuir tout le monde. Reconstruire l'image, ça veut donc dire trouver une valeur pour chacun des pixels, telle que toutes ces additions sont justes. C'est un peu comme si vous deviez résoudre un carré magique. Vous savez, ce jeu où vous devez remplir des cases, et où la somme de chaque ligne et de chaque colonne doit être égale à une certaine valeur. Eh ben là, c'est un peu pareil. Je vous laisse donc admirer comment des chercheurs ont pu reconstruire, à partir de seulement 1300 mesures, l'image que vous voyez à droite, là où l'image d'origine contient 65 536 pixels. Bon, s'il y a des petits matheux parmi vous, ils ont dû se dire un truc du genre... Un système de 1300 équations à 65 000 inconnues. Ça fait beaucoup trop de solutions, ça. Et en effet, là, c'est un peu comme si on avait un carré magique avec plusieurs solutions. Beaucoup de solutions. Énormément de solutions. Mais en général, vous noterez que pour les carrés magiques, on vous donne une indication supplémentaire. On vous dit que chaque chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois. Et donc là, nous aussi on va utiliser une indication supplémentaire, qui est le fait que l'image que l'on essaie de reconstruire doit être réaliste. Donc pas un truc comme ça ou comme ça, mais plutôt quelque chose comme ça. Et les images réalistes, elles ont un point commun, qui est qu'en général, ce sont des images qui sont compressibles. En effet, quand les algorithmes de compression d'image ont été conçus, comme JPEG par exemple, eh ben ils ont été conçus pour être efficaces sur des images réalistes, pas sur du bruit ou sur un nuage de points quelconque. Et donc, quand on choisit une image parmi toutes les solutions possibles, eh bien on va essayer d'en choisir une qui se compresse bien. Ok, donc, pour résumer, on a une image que l'on souhaite reconstruire, composée de beaucoup de pixels, c'est-à-dire beaucoup de valeurs. On en fait une acquisition, ce qui nous donne nos mesures, c'est-à-dire un nombre réduit de valeurs. Et ce qu'on aimerait, c'est pour faire le chemin inverse, reconstruire l'image. Mais aller de peu de valeurs à beaucoup de valeurs, ça c'est compliqué. De l'autre côté, on sait que notre image est compressible, qu'il est possible de la représenter en utilisant peu de valeurs, et qu'il est possible, à partir de cette image compressée, de la décompresser, grâce à l'utilisation des algorithmes de compression, comme JPEG. Et donc de revenir à notre image complète, composée de beaucoup de pixels. Et donc l'idée pour reconstruire notre image complète à partir de notre mesure, c'est de reconstruire d'abord l'image compressée, puisque aller de peu de valeur à peu de valeur, bah ça, c'est plus simple. À partir de nos mesures, on obtient donc l'image compressée avant même l'image complète. C'est ce qu'on appelle l'acquisition compressée. Alors, capteur thanatique, check. Système de miroir, check. Branchement, ok. Logiciel d'acquisition compressée, check. Alors, fantôme, qui que tu sois, à nous deux. On a réussi à obtenir de vraies images à partir d'un seul capteur sans que l'acquisition dure des plombes. Mais bon, ça s'est fait avec un coût quand même assez monumental. Parce qu'on a fait une hypothèse extrêmement forte. Hypothèse qui est que nos images sont compressibles. Normalement, en théorie du signal, il y a le théorème de Shannon qui nous dit qu'on est obligé de faire un certain nombre de mesures pour être capable de reconstruire notre image. Mais ça,
C'est sans faire l'hypothèse supplémentaire que l'image est compressible. Et avec cette hypothèse supplémentaire, on est capable de réduire drastiquement le nombre de mesures que l'on fait. Mais donc il y a tout un tas d'images que on ne sera jamais capable de reconstruire grâce à cette méthode. Mais il s'avère que ces images sont des images justement peu réalistes et peu probables. Et ce qui fait que cette méthode fonctionne bien, c'est le choix de l'algorithme de compression. Je vous ai pas détaillé comment fonctionnent les algorithmes de compression, comme le JPEG pour les images par exemple, mais ce qui fait que notre méthode de reconstruction fonctionne bien, c'est bel et bien l'efficacité de ces algorithmes de compression et de décompression, et de à quel point ils collent avec des images réalistes. Pour des images, on a des algorithmes de compression tels que le JPEG, pour des audios, on aura du MP3, des vidéos, le MP4, etc., etc. Et en fonction du domaine d'application, on utilisera une méthode de compression-décompression ou une autre, qui sera adaptée à notre problème particulier. Enfin bref, faire des hypothèses supplémentaires, ça peut nous permettre de résoudre des problèmes qui, au premier abord, n'avaient pas de solution. Et quand l'hypothèse supplémentaire, c'est avoir des images réalistes, ça coûte pas si cher. Bonjour les Rafalitos, alors on se retrouve aujourd'hui pour un live un peu spécial, parce que vous savez sans doute tous ce qui est arrivé à Papy Fou. Et j'aimerais vous dire que j'ai eu quelques informations, et qu'en réalité, Papy Fou a été... Non, déconne pas, non!